fait trop soleil. Oh, bah, c'est pas grave. J'ai jamais trop plus de soleil. Donc, allez, nous présentons Marcel Brouillard et Roger Verglas. Classe 12, nous avons fait ensemble Compagnons de la Libération. Et Roger, présente-toi, Roger Verglas, présente-toi, classe 12. Ben, pareil. Pareil. Pareil, on va un petit verre ensemble. Nous n'avons pas beaucoup plus produit. Hop. Pouf. Oh, tu garantis. On a un métier, hein. Pas trop. Elles sont bien. C'est du vrai. C'est du vrai, oui. Nous en vous en bulle-pol, comme nous aussi, ils sont de chez nous, maintenant. Hop là. Alors, tu me vas voir. Ah, tiens, là, tiens. On fait un ré mineur. Faut que je me balle le pied. Je fais un ré mineur, tu vas voir. Là, là. Voilà. Non. Oh. Assieds-toi, Roger, assieds-toi. Prends. Non, garde ton verre à la main, parce qu'on en a pas besoin. Oh. Oh, mon pauvre Roger. Oh. As-tu vu la télévision? Ce qu'ils nous passent en ce moment. As-tu vu les Iraniens qui se sont immolés? Oh. Ils se sont immolés. Ben, on a dit chez nous, on a la mimolette. Ben, on ne va pas faire tout un fromage non plus. Hein. Je quand même que, pas que ça a fait. As-tu vu aussi, as-tu écouté parler des intermittents? Oh, on ne parle pas. Oh ben, as-tu vu au Festival d'Avignon comment qu'ils ont fait? Ils sont couchés par terre partout, le festival était annulé. Ils ont annulé les festivals partout. Hein. Il paraît que même un Mésidon dans le Barin s'était annulé aussi. Hein. Non, il est tout partout. Les... Oui. Oh ben ça, c'est le dans le journal d'aujourd'hui. Vois-tu que c'est marqué là? Il paraît qu'à Poitiers, ils se sont couchés place d'Arles. Mais ils s'en foutent. Ils voulaient empêcher les gens de la préfecture de rentrer chez eux à 4h de l'après-midi. Mais ils disaient encore qu'ils étaient partis, les autres. Hein. Ouais, ils n'ont rien empêché du tout. Hein. Oh, bah, oui, c'est un métier aussi, ça. Là, il y a la préfecture, bah, tu veux mieux les intermittents. Il paraît que les gendarmes sont venus, les ont mis dans des cochonnières, puis ils les ont emmenés au débordinoir, ma foi. Je sais pas ce qu'ils vont faire avec. Hein. Peut-être faire des spectacles aussi à la gendarmerie, mais enfin, peut-être les débordiner un petit peu. Bon, bon, tout ce qu'il y a dans le journal, as-tu vu les Sénégalais aussi qu'ils ont renvoyé des Français chez nous, qui nous appartenaient quand même. Hein. Et ils ont dit que c'était des indésirables. Des indésirables, qu'ils ont dit. Faut quand même pas pousser. Payer des avions pour emmener des gens chez nous qui nous appartenaient, c'est quand même pas poussé non plus. Parce qu'on avait quand même des... Avec des avions qui nous appartenaient même pas. Parce que chez nous, c'est Air France, chez eux, c'est Air Peut-être. On n'est pas sûr que ça tienne longtemps en l'air, mais ils les ramènent quand même. Hein. Parce qu'on a quand même des compagnies d'aviation qui tiennent l'air, hein, nous. Bon, on n'a pas beaucoup d'hélices pour faire avancer les bateaux. Mais pour faire avancer les avions, nous avons ce qu'il faut. Hein. Oh oui, oui, oui. Il y a le Charles de Gaulle qui s'est peut-être trop bien content de voir ce qu'on a fait de son porte-avions, mais vraiment. Et as-tu écouté parler de la retraite aussi? Ah bah, on parle pas. Et pas si on va la toucher. Ah, jamais. Il y a que des gens comme Yvon Colonna qui vont la toucher, la retraite, parce que ils l'ont trouvé depuis hier soir, ils l'ont pris hier soir, ils l'ont mis dans le maquis. Eh ben... Dans le maquis, oui, il était dans le maquis. Oui. On va te garantir que celui-là aussi, on est quelqu'un, mon homme. Hein? On parle pas. As-tu vu comment que Sarkozy faisait son kéké hier soir dans le TF1? Pourquoi? Comment qu'il était droit, mon petit gars, qui disait qu'on a pris Colonna? Au sein de toi, il t'aurait mal trouvé plus vite. Ah, tu penses que oui, hein? Avec tout ce qu'il voulait. Il t'aurait mal reconnu que ta perruque blonde et puis ton manteau vert brillant, là. Hein? Il t'aurait mal vu tout de suite. Mais le Colonna, elle les a fait courir à maman. Eh ben, mon petit gars, il est comme l'affaire Allègre. J'ai pas dit écoutez, l'affaire Allègre, tu connais-t-il? L'affaire Allègre, t'as-tu vu comment que ça s'est passé? Oh, on est marqué dans le journal. Moi, je croyais qu'il était Claude Allègre au début, l'ancien ministre de l'Éducation. Je n'avais pas compris. J'ai dit à l'Éducation nationale, ils m'ont dit, bah, l'attraper celui-là avec tout ce qu'il a raconté comme conneries. Mais on était un autre. On était un autre. Alors, il n'était pas le même parce que l'autre, c'est l'affaire de Lignac. Il avait étouffé. Enfin, pas Lignac, mais l'affaire. C'est comme l'affaire Allègre, il est marqué dans le journal. Ah ben l'autre, il s'est trouvé avec 4 balles tirées dans le dos, dis donc. On dit que c'était suivi tout seul, avec la main droite, mais t'es gaucher. Mais ça fait rien. Ils ont quand même réussi à le faire, hein. Oh. Tu vois un petit peu. Et puis alors, dis donc, as-tu vu l'alcoolémie, ce qui nous... On est marqué là, le taux d'alcoolémie, qui est à 5%. On est marqué là. On verra ça. Et puis la TVA, qui nous ont mis à 18,6 au lieu de 17,6. Eh oui. Ah, comment veux-tu que ça marche, un gouvernement comme ça? Il aurait fallu faire l'inverse. Le taux d'alcoolémie, il y a 17,6, et puis la TVA, 5,6, on aurait eu beaucoup plus de succès, hein, tu ne le dis pas. Oh, il sera d'accord avec toi, on va aller avec toi, allez. Allez. Puis on va peut-être aller boire un coup au café, hein. Oui, on va y aller. T'as ta voiture? Ben oui, mais
Mais pour le permis. Oui, il fait rien. Ils arrêtent donc les gens qui ont le permis. Ont le permis. Donc, tu n'as pas le permis, tu ne risques rien. Mais de toute façon, nous ne marquons pas au ballon, nous autres. Hein. Ah ben, allez, on va dire. Allez.